Là, ce qui se passe actuellement, c'est que eux, là, ils ont bombardé eux. Tout logiquement, eux, ils ont envie de répondre. Ils ont fait ça, ils ont répondu. Mais le problème, c'est que maintenant, eux tous, ils ont des potes, ça. Ils sont avec eux. Eux, là, un peu partout, ils sont avec eux. Ça veut dire la merde. Ça va être ici, au milieu. Donc moi, j'ai une solution. Voilà. Venez, on cab, on va tous vers là, là. Et ici, c'est sûr, il n'y a rien. Et ici, on est tranquille, frère. Il n'y a personne qui va venir. J'ai dit, ah frère, bon lui il a toujours rien, mais ça c'est. Vas-y frère, je te demande mon manteau, frère, ramène mon manteau, t'es là, Que tu. le manteau? Je veux dire, mon manteau, même pas de manteau, frère. Salut les gars, alors aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi nous sommes encore célibataires au jour d'aujourd'hui. En fait, c'est hyper simple, faut pas chercher plus loin, c'est juste qu'on est moche, c'est tout. Enfin, je veux dire, voilà quoi, enfin, je. Y a pas moyen que tu sortes avec moi. C'est dans la tête, t'es un monstre. Halal ou haram? Je connais pas haram. C'est halal, c'est halal. C'est pas de la, c'est pas du bœuf? Pardon? C'est pas de l'alcool. Non, il y a des couchards, il y a de l'alcool dedans ou sans alcool? Non, il n'y a pas d'alcool. Ah, merci. Bonne soirée, madame. Mademoiselle, pardon. Qu'on parle d'un truc. Après, moi, je suis jeune conductrice, donc peut-être que je fais trop la meuf, mais c'est pas grave. Vous voyez cette mallette-là? Ça s'appelle le clignotant. Et vous savez comment ça marche? Hop, quand on monte, et hop, quand on descend. Alors, utilisez-le! Surtout dans l'aéroport, que ça m'évite de m'arrêter pour rien. Et puis, je vous rappelle que les ampoules, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans la voiture. Toby. Are you fucking serious? Did that really go down? Maman, je suis tombée dans les pommes. Maman, qu'est-ce que t'as une peau de pêche? Maman, t'arrêtes de me prendre pour une courge. Bon, t'arrêtes de me prendre le chou là. Oh, maman, arrête de me poser des questions. Mets pas tes oignons. Parce que je vais mettre une patate. Fais attention à la route, hein. Tu pourrais finir un sandwich. Arrête de montrer des choses dégueulasses, hein. Je vais poser un pavé. Fais attention, je veux sortir ma baguette magique. Mais moi j'ai 40 ans, moi madame. J'ai mon bac, j'ai ma maîtrise d'archi. Alors quand t'auras tout ça, peut-être que tu pourras en reparler. Si je te chope encore une fois avec ça à la maison, tu sais quoi? Tu vires. Tu vas vivre chez ton père, ok? Ah ouais, mais t'attends que ça, toi, de toute manière, que j'aille vivre chez mon père. Que je me casse, c'est ça? Comme ça, tu pourras t'éclater comme une. Maintenant, si quelqu'un veut épouser ma fille là, il faut qu'il m'amène une chose, la sueur du chien. 5, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. Ça fait un peu flipper quand même, hein?
Mais j'en peux plus, je viens d'acheter du PQ encore premier prix, de la merde, il est aussi fin que le respect dans ma vie, c'est-à-dire qu'il me reste collé à marrer, mais genre il reste collé. Mais c'est tout ou rien avec les PQ, putain. Soit ils sont trop durs et ça te lime le bulbe, soit ils sont tout fins et ça te fait des confettis dans la rez-de-chaussée. Non mais non merci quoi. Mais on y voit à travers tellement qu'il est fin. On y voit à travers. Pas normal ça. Du papier calque, voilà, c'est... Ça me saoule. Je vais utiliser des feuilles à 4 si ça continue pour m'essuyer le derche. Plus jamais tu t'approches de moi parce qu'on regarde ce que t'as fait. C'est pas drôle. Bon bah voilà, hein, à défaut de pas avoir un mec, j'ai un pogonard. Voilà. Des gros câlins. Petit rappel pour tous les gens qui mettent la chanson Allez les gros et que tu le vois, ils sont là bien faits, bien musclés. Ou bien toutes les meufs là, qu'elles ont vraiment un joli cul avec un joli corps. Arrêtez s'il vous plaît. Laissez ça pour nous. Regardez. On va avoir ça pour chanter. Et forcément, il n'y a personne chez moi. Alors j'ai eu un espoir, parce que ma clé rentre et tourne, mais le volet ne s'ouvre pas. Les deux sens. Donc mes parents m'ont officiellement mis à la porte. Génial. Quand on dit que l'homme descend des singes, bah apparemment Dylan, il a pas manqué des branches lui. Hein. Oh là, tu fais du parcours aussi? Ouais. Ça se voit. Quand même continuer à travailler. Donc aujourd'hui je vais commencer la création d'un tableau des mots-clés. En fait, on va créer un nouveau site. Ce sera juste un site, pas un blog, donc on ne pourra pas publier d'articles dessus, mais voilà, on voudra quand même qu'il soit top 1. Donc on va devoir optimiser son référencement. Et pour ça, je vais créer un tableau des mots-clés de 40 articles. C'est quoi le délire là, Marie? Non! Quoi? Je voulais faire un TikTok, mais il y a quelqu'un qui passe, alors il me regarde. Il me fixe et alors je sais quoi, je sais pas. En français, on va dire « Maman, j'ai un problème !» En anglais, on va dire « Mom, I have a problem !» Les gars, il s'est passé quelque chose de grave, tout à coup mon doigt est devenu incontrôlable et je me suis retrouvée sur TikTok, TikTok. On l'a vu, les accidents, ça arrive et vous pas oublier, je suis une 2000, hein. Et j'ai ri. Et j'aime rire. Et je suis prête à faire plein de bêtises. On a tous un rappeur inconnu sur Facebook qui met « Nouveau morceau tant attendu !» Mais personne t'attend, frère. T'es comme un lundi. Hey chérie, ouais. C'est quoi la différence entre une pute et une pizza? Eh ben la pizza, tu peux la prendre sans champignons. Bah, tu sors? Ouais, je sors. Avec tes copains? Non, pas avec mes copains. Bah, tout seul? Non, pas tout seul. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Poubelle. Ah, c'est ce soir? Oui, c'est ce soir. Ah. Je me pose trop de questions en vrai parce que je me dis, mais... Les gens, en fait, on va voler chez toi, on va venir, on va ouvrir chez toi, on vole chez toi. Tu dois pas te défendre. Alors que c'est chez toi. On va voler ta voiture, c'est pareil. Tu dois pas te défendre. Même ton chien, il va mordre quelqu'un qui vient chez toi. On doit l'euthanasier.
Et je sais, j'arrive pas à comprendre en fait la mentalité, j'arrive pas à comprendre comment on réfléchit en France. Je sais pas, ça me dégoûte en vrai parce qu'on n'aide pas les personnes qui essayent de s'en sortir, on aide celles qui mettent des bâtons dans les roues. On dit liberté d'expression, mais il y a des limites quand même aussi. Ça n'a rien à voir, hein, mais je mets tout ensemble. Faudrait tout revoir là. Il n'y a rien qui va pour moi. Non, non, mais non, c'est stoppé par la goupille. Ça enlève ou pas ? Et la goupille, elle est solide ou pas ?